Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un cake courgette jambon fumé et chèvre. Donc je vais le faire cuire dans mon omnicuiseur Vitalité 6000. Donc pour environ 6-8 personnes, il va vous falloir 100 g de farine, 3 œufs entiers, 1 sachet de levure, 6 cuillerées à soupe d'huile de noix, 6 cuillerées à soupe de lait, une courgette coupée en petits dés, 150 g de jambon râpé, fumé, ainsi que 100 g de chèvre coupé également en petits dés. Dans un premier temps, vous allez mélanger dans un saladier la farine ainsi que les œufs, le sel, le poivre et également un sachet de levure. Donc vous mélangez bien avec le fouet. J'ai aussi ajouté l'huile de noix et le lait. Ensuite, vous lavez et vous coupez en petits dés votre courgette ainsi que votre fromage de chèvre. Ensuite, vous allez mélanger délicatement la préparation avec les dés de chèvre, le jambon râpé et les courgettes que vous allez verser ensuite dans le moule en porcelaine à cake que j'ai préalablement huilé et fariné. Donc, vous versez votre préparation dans le moule à cake préalablement huilé et fariné. Et vous versez également 8 cuillerées à soupe d'eau au fond de votre petite cocotte. Vous programmez ensuite votre omnicuiseur Vitalité pendant 50 minutes avec minimum en haut, maximum en bas pendant 15 minutes. Et ensuite, vous inversez à la mi-cuisson. À la fin de la cuisson, vous démoulez et vous obtenez un délicieux cake qui se mange aussi bien chaud que froid. Je vous invite à retrouver ma recette qui se trouve sur mon blog Les petites idées culinaires de Chris & Co. Et je vous invite aussi également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour y retrouver mes futures recettes. À très bientôt. Au revoir.